Bravo, 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 bravo. Comme ça, là, elle est belle, là. Un tout petit peu plus engagé et un tout petit peu plus longtemps. Au moins un tour, on essaye de se mettre quasi face planète en un tour, vas-y. Le contre et bim. Magnifique. Très bon. De son côté préféré, plutôt à droite. Compensation aux arrières. Et par contre, on défait le tour de frein, on prend nos arrières et on fait une tempo aux arrières. Ok. Et on s'en fait une grosse là, un face planète, une bonne chandelle. Appuie un tout petit peu plus sur ta compensation peut-être. Et prends ton temps avant de... T'as le temps après de défaire bravo et de défaire ton tour de frein. Regarde ton bout d'aile, lève le coude, un petit décroissime à gauche, bravo, tempo bravo. Ouais. Pense aussi à bien les libérer, quand tu fais bravo, bien libérer les deux côtés. À droite, ouais, super. Refais-moi-en un à droite un tout petit peu plus profond, sans dévier de ton cap. Yes. Eh ben, nickel. Non, regarde là. Voilà, lâche. Ok, pas trop tôt. Doucement aux arrières, encore, encore, encore. Ouais. La petite tempo. Allez, rentre en deux temps, perçage. Ouais, bravo, marche arrière, bien basse, bien basse. Garde là ici, on regarde la voile. Alors, c'est pas grave si ça tourne. Ouais, un peu plus bas les deux mains peut-être. Alors, hop là, reste bravo, 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 bravo. Essaye de te détwister. Hop là. Allez, on va réessayer. Plus rapide et plus basse les mains, on va essayer. Allez, bravo, marche arrière, bien basse, bien basse. Ouais, oh, dis donc, elle est pas très sympa. Alors, on a toujours une petite cravate à gauche, mais c'est pas grave. Alors, reconstruire un petit peu plus haut les mains, on va avoir une porte, et ça va se rouvrir, voilà. Tors-la bien. Allez, on y va. Rapide. Bravo. Et on descend, là. Bien bas. Voilà, nickel. Ah ben, ça y est, on a eu une belle rentrée. Ça peut, voilà, regarde où sont tes mains, là, pour une marche à la sécu, ça me va impeccable. On regarde la voile, on reconstruit, bras un peu plus écartés. Ouais, on a tout de suite la porte, ok, nickel. Je trouve que vu ce qu'on a fait avant, une seule marche arrière correcte pour l'instant, ce serait peut-être osé de le refaire. À toi de voir, hein, si tu le sens, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'elle nous fasse une cravate en marche arrière. Mais si tu le sens, on se met profil caméra, il faudrait juste simplement faire décro, stabiliser la marche arrière et ressortir sans attendre, parce qu'on est vraiment bas. Allez. Rentrer en deux temps, relâche, et boum, vas-y, bien fort, voilà. Allez, bravo. Tempo bravo. Ouais, super. Eh ben, c'est bien, t'as eu du mental pour y aller, là. Regarde là. Et c'est parti. Ouais. On remonte les mains et redescend-les. Voilà. T'as été resté un peu. Voilà. Allez, on la regarde, on essaie de reconstruire tout doucement, bouge plus. Voilà, essaye encore un peu plus haut pour voir si ça se met à tourner. Ah, ok. Alors. Alors, remets tes mains en marche arrière. Ok, grosse galère. Allez, ouais, c'est bien, bouge plus. Voyons voir si t'arrives à te détwister là. C'est bon, allez, ça vole. Faire moins longtemps bras haut en fait. Allez, bravo, marche arrière direct. Ouais, ouais. Elle se retord. Alors, attention. Ouais, laisse voler là, t'as une porte. Ouais. Les mains au début. On réessaye. Alors, deux cravates en marche arrière, ça va shooter. Ouais, relâche, prends la porte peut-être. Et lâche. Ouais. Allez, on perce. Et on bourrine. Voilà, maintenant tu peux reconstruire. Tu peux reconstruire, voilà. Et même plus haut, tout doucement, comme ça on voit jusqu'où on peut aller. Maintiens un peu comme ça, c'est pas grave si ça tourne, c'est sûrement ton petit carénage arrière qui te fait tourner comme ça, c'est pas grave. Allez, on va faire une sortie, on fait bravo rapide. Tempo, bravo, voilà. Si ça tourne, des fois c'est le plus simple, c'est bravo, grosse tempo, impeccable. Centre du village. Voilà. Et maintenant on reconstruit. Donc attention à la petite. Oh, c'est bon, c'est décravaté. Ben dis donc, c'est bien. Ah, attention, ouais. Relâche les mains là. Ouais. Tiens-toi à tes élévateurs. Hop là. Ouais, non, là, t'as pas assez relâché. Faut bien relâcher complètement, hein, par contre. Faut pas te précipiter. Regarde là, tu le fais au regard. Allez. Excellent, vraiment, comme sur le papier, comme on avait dit.
Ouais. Impeccable, allez, vas-y, reprends ton casque, c'est l'entrée. Magnifique, c'est exactement ça. Yes. Bon ben voilà, on a trouvé notre recette hein, pour les rentrées volontaires en marche arrière. Allez, on a temps d'en faire encore 2-3. Ouais, d'abord le cap, contrôle de cap, et tu le maintiens pas longtemps parce que tu commences à être bas. Bim, excellent. Allez, on ressort. C'est pas grave, allez, on y retourne. Magnifique. Bien vu les boudelles repasser devant quand t'as relâché, ça c'était chouette, tu vois. Là, si t'arrives à faire ça, t'auras vraiment beaucoup moins de problèmes de cravate en marche arrière. Ça... Ah, ouais, bon, ben voilà, un peu tard pour le coup. Excellent. Ça, c'est vraiment la rentrée excellente. Voilà. Rapproche-toi un petit peu, avance-toi un petit peu, puis si t'as le mental, si t'as le moral, pourquoi pas en rajouter un petit dernier. Faut pas que ça foire trop, quoi. Mais avance-toi d'abord pour être sûr, et puis faut vraiment le faire avec un minimum de perte de hauteur, hein, parce que là, on a vraiment pas grosse marche de sécu. Ou alors, tu peux aussi faire autre chose, hein, je sais pas. Ok, allez, on y va. Yes, magnifique. Et on ressort, bim. Excellent. Bon, bah, félicitations, je crois que t'as vraiment compris. Tu vois, il y a un petit côté aléatoire, de temps en temps, on peut se prendre une petite cravate en marche arrière.